Oui, je sais, ça fait quelques mois que j'ai pas tourné une vidéo comme ça dans ce format, donc salut à tous et à toutes, bienvenue sur GeekoWorld. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va découvrir le trailer de Dragon Ball Daima, le tout nouveau trailer qui vient de sortir. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt parce que la communication concernant Dragon Ball Daima, qui est pourtant l'œuvre posthume de Akira Toriyama, on frôle le zéro, hein, à part quelques visuels, tout ça, des petits leaks qui sont sortis à droite à gauche. La communication, c'est zéro. On est au mois de juillet, on est le 19 juillet, bientôt le 20 juillet à l'heure où je vous parle. Ça sort au mois d'octobre. On s'en rapproche et putain, on n'entend pas parler, ça craint. Hein. Ça craint. Bon, j'espère qu'avec ce trailer, avec le Comic-Con, si je dis pas de bêtises, qui a lieu dans quelques jours, va y avoir des nouveautés. Que là, ça va passer à la seconde vraiment à la vitesse supérieure en termes de communication, parce que là, oulala, ça craint vraiment. Donc, bref. Aujourd'hui, il y a une nouvelle affiche qui est sortie, il y a le teaser qu'on va découvrir ensemble. Il y a quelques informations aussi qu'il y a mon pote Marty Japan qui l'a publié et partagé, assez intéressantes pour ceux qui seront au Japon dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Bref, on va commencer avec la nouvelle affiche de Dragon Ball Daima qui vient de sortir. Hop, je vais passer sur mon ordinateur là, juste ici. Voilà donc la toute nouvelle affiche de Dragon Ball Daima, affiche que j'adore. J'adore la composition. Bon, il y a du blanc prédominant, mais j'adore le Goku comme ça sur le dragon. C'est sûrement un démon dragon ou je sais pas quoi. Il y a Shin juste derrière. Il y a un petit vaisseau. Il y a un nouveau personnage qui accompagnera apparemment Goku d'après certains leaks. Octobre 2024, on a à nouveau la confirmation. J'aime beaucoup ce poster qui fait dans la simplicité. Ça invite vraiment ce poster au voyage, à l'aventure, tout ça. Voilà, je valide. Bon, on n'apprend pas beaucoup plus, mais c'est déjà un petit truc en plus parce que c'était le vide intersidéral ces dernières semaines. Ensuite, mon pote Marty l'a également précisé un truc assez intéressant que je ne savais pas, c'est lui qui m'a apporté l'information tout simplement, c'est que va y avoir une exposition dans les locaux de Fuji TV à Odaiba. Donc Odaiba à Tokyo, l'île artificielle, là vous avez le Gundam géant, tout ça. Allez-y, vraiment, c'est très sympa. Il y a pas mal de choses à faire là-bas si vous êtes sur place. Donc, Marty l'a dit, avis aux personnes qui viennent à Tokyo dès demain à partir de 10h, donc dès le 20, j'imagine, jusqu'au 25 août. Il y aura une petite exposition Dragon Ball Daima à Fuji TB de Odaiba. Donc, dans les locaux là-bas, il y a le magasin de Fuji TV, donc vous pouvez acheter plein de goodies en rapport avec One Piece, Dragon Ball, tout ça. Au programme, des points photos, des jeux, des documents, etc. Donc, voilà, merci à Marty pour l'information. Et maintenant, on va découvrir le trailer. C'est parti, j'ai hâte. Ok. Le vaisseau, le fameux nouveau personnage qui ressemble à Han Solo qui a leaké il y a quelques jours. Goku. Shin. Ah, c'est joli, hein. Les plans sont jolis. Goku. Allez, il faut que ça bouge. Par contre, il n'y a pas de... C'est encore un thriller musical, entre guillemets. Ok. Super dynamique. En termes d'animation, ça a l'air impeccable. Vraiment. Le nouveau méchant. Avec sûrement un Makaioshin. Ok. Ok, bon. On a pas mal de plans assez intéressants en vrai. Mais par contre, voilà, ça, il n'y a pas de personnage qui parle. C'est que des scènes avec un fond musical comme la dernière fois. C'est dommage parce qu'honnêtement, c'est pas ce qui fait le plus monter la hype. Alors c'est satisfaisant parce qu'il y a des nouvelles images si vous voulez. Mais ouais. C'est pas non plus le truc qui va faire monter la hype à fond et tout. On est au mois de juillet, ça sort au mois d'octobre. On pourrait s'attendre à un truc un peu plus conséquent, un truc qui envoie, un truc qui te dit waouh, vivement Dragon Ball Daima. Parce que là, le peu qu'on voit, dans l'idée, ça ressemble un peu à du Dragon Ball GT, c'est-à-dire Goku, bon, rajeuni, qui va partir dans une capsule spatiale dans l'espace, dans un nouvel univers. Voilà. Sûrement accompagné d'autres personnages d'après certains leaks. Ah, ça ressemble quand même à DBGT, hein. Dans une nouvelle version, une nouvelle sauce. Certes. Par contre, après l'animation, les combats, ça a l'air hyper dynamique. Les plans sur les décors, tout ça, il y a des plans avec la lumière, tout ça, l'animation, c'est impeccable. Ça a l'air vraiment magnifique. Ils ont l'air d'avoir pris le temps de faire, donc ça c'est cool. Après, est-ce que le scénario sera au rendez-vous?
pour la première œuvre posthume à Akira Toriyama, la première œuvre estampillée Dragon Ball, parce que sinon la dernière fois il y a eu Sandland qui est sorti quand Akira Toriyama était décédé. Donc écoutez, voilà, j'aime beaucoup, ça se voit que vraiment cette série ça va être une invitation au voyage. Après ça a l'air assez coloré, enfantin, puéril, enfin puéril. Ouais, vraiment enfantin, pur, en fait, un peu innocent. On profitera de l'œuvre, ça c'est sûr, mais c'est pas ce qui me fait le plus monter la sauce. C'est très bizarre cette phrase à dire. Donc j'ai bien aimé ces premières images, ça fait du bien d'avoir du concret, une nouvelle affiche, un nouveau trailer ou teaser, vous appelez ça comme vous voulez. Espérons qu'on aura un truc un peu plus conséquent, un peu plus dantesque à voir dans les prochaines semaines pour monter la hype, parce que c'est ce qu'on mérite et ce que méritent les fans de Dragon Ball. Et puis par respect pour Akira Toriyama, tout simplement, c'est quand même sa dernière œuvre. Faudrait marteler la communication, littéralement. Et puis sinon, voilà, on se retrouvera sûrement dans des grosses vidéos d'ici quelques mois, peut-être plus en début 2025. En ce moment, j'ai pas mal de projets avec des potes, on fait un album, vous avez bien entendu. On en reparlera peut-être, je sais pas. Donc je suis pas mal occupé en ce moment. Donc je continuerai à alimenter la chaîne avec des petites vidéos. Et écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce trailer dans les commentaires. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, tout ça. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.